Alors, Mathieu, comme ça, on a eu PyCon. Oui, finalement, et ça s'en vient, en fait. Ça s'en vient. On l'a pour 2 ans. Ouais. Tu te rappelles-tu comment que ça s'est passé quand on a eu l'idée de... Oui, je pense que c'est peut-être dans un meeting, on pensait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dynamiser notre groupe à Montréal, puis... Je pense que c'est Yannick qui avait à un moment donné... Qui avait... En fait, Yannick avait fait un appel pour avoir plus d'organisateurs. Mm-hmm. Tout le monde, on se connaissait un peu. On avait Cyril Robert, puis Pierre Bastida qui s'était présenté, qu'on avait répondu à l'appel. On disait, OK, on va venir des organisateurs Montréal Python. Mm-hmm. Puis, je pense que c'était la même réunion. Il voyait grand, vu qu'il y avait beaucoup d'affluence. Il s'est dit, puis peut-être même un jour, on pourrait avoir PyCon. On s'était dit, ah! Ça nous a pris du temps, ça, en fait, de démarrer. C'était en mars, quelque chose, 2009, si je ne me trompe pas. Puis après ça, on a fait nos événements réguliers pendant l'année. Puis c'est nettement plus tard, c'est en janvier 2010 qu'on a eu à préparer le truc. Mm-hmm. Alors on s'est rappelé qu'on avait potentiellement cet objectif-là. On a dit, hey, est-ce qu'on soumet la candidature de Montréal pour PyCon? Oui. Ce qui a un peu démarré puis qui nous a donné l'énergie de continuer, c'est... Quand, je me souviens plus qui a eu l'idée de contacter Tourisme Montréal. Ah, je pense que ça devait être Yannick, ouais. Yannick, sûrement. Puis qu'on avait rencontré quelqu'un là-bas qui bûchait, je pense qu'on peut le dire. Ah, ouais, carrément. Puis qui nous a un peu aidé à monter tout ce gros bitbook-là, en fait. Tous les détails sur le palais des congrès, les hôtels, tous les détails qu'une organisation pourrait avoir sur comment PyCon, ça va être à Montréal. Ah. C'est par Montréal International, je pense, qu'on avait contacté au début, qui nous ont ramené vers Tourisme Montréal. Puis, non, c'est clair que tout seul, on aurait pu écrire une lettre en disant, bon, ben, on pourrait peut-être faire ça à Montréal, mais avec l'appui, justement, de Tourisme Montréal, on a réussi à monter donc un dossier vraiment. Avoir le prix de tous les hôtels en ville, on a eu une lettre d'appui du maire, une lettre d'appui du Palais des Congrès, plusieurs personnalités en ville. Donc, je me souviens qu'on était quand même assez fiers quand on était avec notre gros bitbook avec tous ces détails-là. C'est clair, c'est clair. À PyCon à Atlanta, ouais. Il y a eu une réunion avec la Python Software Foundation, mm-hmm. et toutes les villes qui voulaient avoir la conférence chez eux. Mm-hmm. Et je me souviens que c'était Cyril qui présentait la candidature de Montréal. Et puis, il est arrivé, on a donné une copie du bitbook à toutes les gens qui étaient présents. Mm-hmm. Je pense que c'était la première fois qu'ils recevaient quelque chose d'aussi solide. Aussi consistant, oui, c'est consistant. Ça. C'est là qu'on a comme compris que nous, on a donné la petite saveur locale, la petite saveur de notre communauté. Mm-hmm. Mais avec l'appui technique, c'était comme « wow ». Ouais. On avait déjà des partenariats, c'était pas à faire. Ouais. Puis aussi, je pense qu'on peut le dire, c'est la première fois où ça se passe même dans le centre-ville même. Pas la première fois, c'est déjà arrivé, mais ça fait quand même quelques années. Ça fait longtemps, oui, c'est ça. Donc, puis là, c'est un lieu d'envergure. Oui, effectivement. Puis tout le monde était vraiment excité de venir à Montréal aussi. Ouais, ouais. C'était un gros défi pour l'organisation de la PSF, la Python Software Foundation, parce que ça veut dire que c'était la première fois que la conférence quitte les États-Unis. Parce que c'est la PyCon US, en quelque sorte. Il y a des PyCon régionaux qui existent un peu à travers le monde. D'ailleurs, l'Europe, c'est cet été encore, souvent, c'est souvent en Italie. Puis là, ils viennent chez nous. Oui, donc PyCon US est en train de devenir tranquillement peut-être PyCon. Ouais. PyCon international, on dirait, ce qui était un peu quand même de facto, mais... Ouais. On parle des PyCon régionaux, mais entre-temps, il y a eu PyCon Canada aussi. Oui, oui. Donc, la première fois, je pense, c'était au mois de novembre. Oui, 2012. 2012. Diana Clark puis David Walliver, je pense qu'on a décidé de partir ça. L'idée, c'était, oui, la communauté de Montréal est active. Il y a une communauté qui est active à Toronto, différents endroits. Mais les Canadiens en tant que tels, ça manquait peut-être d'union. Mm-hmm. Donc, ils ont décidé de partir cette idée-là pour... aussi donner la possibilité à des gens de présenter pour la première fois leur présentation pour PyCon à Montréal. PyCon. Et puis, ça, je pense que ça a été un gros succès aussi. Il y a beaucoup de grandes vedettes du monde de Python qui sont venues à la conférence. Ouais. Je me rappelle de la conclusion avec Fernando Perez, créateur d'iPython. C'était magnifique. C'est avec l'ovation qui parle d'un français impeccable. Ça nous a permis de rencontrer les organisateurs, finalement, de PyCon Canada. Ils sont dans le coup aussi dans l'organisation de... Oui, ben en fait, suite à PyCon Canada, on peut dire que c'est aussi ce qui a propulsé Diana, qui, elle, est devenue la chair de PyCon à Montréal, en fait, PyCon 2014. Donc, en fait, ça nous a permis aussi de nous rapprocher d'elle, de connaître un peu plus tous ces gens-là avec qui je parle à tous les jours. Tous les jours, exact. Ouais.
Ça fait un peu le tour, je dirais, de l'historique de comment on a pu avoir la conférence à Montréal, comment que ça s'est tramé, puis le lien avec la communauté canadienne qui accueille finalement la communauté internationale, en quelque sorte, pour cet événement-là. D'abord en 2014, puis ensuite en 2015. 2015, ça.